La Côte d'Ivoire hisse son armée au standard des normes onusiennes. Elle affirme la présence de ses militaires sur le théâtre d'opérations extérieures. Les forces armées ivoiriennes déploient la première compagnie de protection à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. 150 militaires, dont 3 filles fruits d'une sélection rigoureuse, la composent. Ils iront rejoindre les autres détachements de pays contributeurs de troupes déjà déployés au Mali. L'engagement de ce détachement opérationnel en mission extérieure démontre, selon le chef d'état-major général des armées, du retour de l'armée ivoirienne sur la scène internationale. Vous avez été choisis parmi de nombreux soldats de notre armée pour aller soutenir ce pays frontalier au nôtre, en proie à une agression et au dépeçage de son espace géographique réparti entre divers groupes djihadistes. Souvenez-vous en toutes circonstances des responsabilités qui sont désormais les vôtres, celles de porter et maintenir haut la flamme des armées ivoiriennes en terre étrangère. Ces soldats ont reçu en tout 22 modules de formation pendant 4 années afin de leur faire acquérir tous les savoir-faire et savoir-être nécessaires dans ce type d'opération. La première compagnie de protection MINUSMA sera projetée sur le théâtre extérieur ce jeudi 4 mai.